En fait, vous avez fait exploser le site là. Il y a un blocage au niveau des paiements, il y a un gros blocage. Le site s'est remis. On relance tout là. On est avec nos webmasters dessus là. C'est une dinguerie. C'est du. OK. Il est temps pour moi de prendre la parole du coup sur mon projet, parce que je vois beaucoup de... Ça agite la toile un petit peu, etc. Alors je vais vous expliquer. En fait, là, j'ai voulu créer ma marque, une marque à mon image. Voilà, moi, vous savez que sur un balcon n'importe où en Normandie, quand je voyais un bout de soleil, j'allais, je m'exposais, il me fallait du bronzage. C'était obligatoire. Donc, par rapport à ça et par rapport aussi au fait que je suis une fan de Musk Intime, fan de Nistara, je me suis dit, un produit qui me ressemble, c'est un produit qui fait bronzer. Et qui sent une odeur Musk Tahara. Ça sent exactement la même odeur que le Musk Tahara de chez Musk Intime. Et voilà, composition magnifique. On est à 72% sur Yuka, etc. Et pour moi, c'était obligatoire de faire quelque chose en fait qui me ressemble. Donc voilà, c'était sûr. C'est un produit parmi toute une liste de produits qui arrivera, Inch'Allah, sous les prochains jours. Vous verrez, c'est tous des produits en rapport avec ma personnalité. Voilà. Alors du coup, les poupettes, quand vous commandez la box, alors vous avez un petit serre-tête personnalisé CAK comme ça. Donc que vous mettez pour la box, les filles, elle est trop belle, je suis amoureuse. Donc dedans, vous avez le spray, vous avez un petit cadeau. Donc c'est à ce moment-là que Amber M s'est associée à nous pour les 1000 premières commandes. Elle a fait des petits colliers personnalisés roses comme ça, CAK, magnifique. On a aussi le petit pinceau applicateur qui est magnifique. Et vous avez le gant également personnalisé. Alors je vous montre le produit, les filles. Moi j'ai tout utilisé, j'ai envoyé tout aux UGC. Du coup j'ai le produit en vrac, quoi. Je vous montre. Alors en fait les filles, c'est pas, je vais vous montrer, vous allez comprendre. C'est pas un auto-bronzant comme vous pensez. En fait c'est comme un fond de teint. Regardez, voilà. Il est couvrant, voilà. Donc vous allez pouvoir le mettre sur votre visage, genre magnifiquement. Regardez. Et vous allez venir l'étaler avec le pinceau, ça va vous couvrir. Là vous sentez, ça parfume le musc tahara. Je suis désolée, en fait, je suis trop stressée. Je suis trop... je sais pas quoi vous dire. En fait, le bug, il m'a... Pendant 30 minutes, il m'a cassé mon délire. Donc là, les filles, vous allez venir appliquer. Bon, là, j'ai pris grave... Je suis grave foncée déjà. Donc du coup, vous allez pas pouvoir bien voir les résultats. Mais donc, quand vous l'appliquez, ça sent l'odeur musc tahara. Mais partout, les filles. Genre, si vous êtes bien blanche et tout, vous avez des avant-après de fou. Donc je vous remontre bien la... Comment dire ? La texture du produit que vous voyez, en fait, c'est un spray. Vous allez venir le mettre. Ça va se vaporiser sur tout votre corps. Ça va sentir l'odeur musc tahara. Et ça va vous bronzer. Et en fait, j'ai pris une seule teinte. Parce que pour moi, l'intensité, ça se fait au fil du temps. Donc, plus vous voulez foncer, plus vous gardez longtemps, c'est-à-dire 4 heures. Et plus vous voulez clair. Et plus vous,
par là, je suis trop stressée, c'est la première fois de ma vie. Et plus vous enlevez rapidement. Le plus, l'effet de ce produit-là, c'est que quand vous allez l'appliquer sur votre peau, en fait, ça va faire comme, vous savez, les gouttes là, de bronzage qui étaient hyper tendances sur TikTok et tout. Ça va... Et en fait, mes poupettes, c'est pas genre un spray que vous allez mettre et que vous allez attendre le résultat. Je vais répondre à cette question. Est-ce que j'exclus une certaine communauté de mes commandes? Parce que c'est le débat qui revient un peu beaucoup. Pas du tout, en fait, les filles. Là, il y a le spray auto-bronzant qui est sorti. J'ai pris une certaine quantité. Il y a un nouveau produit qui arrive. Cette fois, c'est du capillaire. Inch'Allah. Donc, c'est pour tout le monde. Il y aura un autre produit également. Ça sera pour tout le monde. Donc, pas du tout. Pas du tout, les filles. C'est juste que... J'ai voulu commencer par ça, avant que l'été arrive. Là, ça, c'est les beaux temps, il n'y a pas encore assez de soleil pour bien bronzer, etc. Donc mettre de l'auto-bronzant, avoir un magnifique teint comme ça, avec des petites jupes et tout, je me suis dit, bon, bah, c'est le bon moment pour ça. Et petit à petit, quand les produits sortiront, Inch'Allah, je vous partagerai. Quand on est entrepreneur, il ne faut absolument pas craindre l'échec. Sinon, ça sert à rien de se lancer dans l'entrepreneuriat. Qui dit échec, dit succès. On est obligé de rencontrer des obstacles au quotidien pour pouvoir s'améliorer. Quand on lance une entreprise, on a des idées qui sont assez figées. Parfois, ça peut...